présenter rapidement. Mon nom est Antoine Gessler, j'ai 56 ans. Je suis spécialiste en géopolitique. J'ai fait mes études ici à Paris, d'ailleurs, il y a une trentaine d'années. Et je suis en contact avec le MKO depuis 1981. J'étais à l'époque journaliste au service de politique internationale au quotidien La Suisse à Genève. Et j'ai rencontré à cette occasion Kazem Radjavi, qui était ambassadeur de la République auprès des Nations Unies. اون موقع با قاسم رجبی آشنا شدم که سفیر بود واسه سفارت جمهوری اسلامی. Il a organisé une conférence de presse pour expliquer pourquoi son mouvement rompait avec le gouvernement. یه کنفرانس داده بود که توضیح بده چرا با رژیم موافق نبودش. À cette occasion, j'ai fait une interview de lui qui a paru dans la Suisse. یه اینترویو بهش دادم که تو مجله سوئیس پخش شدش. Et j'ai peut-être à ce moment-là posé la mauvaise question. یه سوال اشتباه بهش پرسیدم. Et je lui ai demandé pourquoi son organisation avait collaboré deux ans en connaissant la nature du régime. بهش پرسیدم چرا دو سال با جمهوری اسلامی شما کار کردین وقتی که می‌رسین جمهوری اسلامی اینقدر مشکل داره. À partir de ce moment-là, j'ai eu le MKO sur le dos et ça continue. À plusieurs reprises, à partir de cette date, on m'a envoyé des représentants depuis la base de Zurich pour me convaincre de la crédibilité du mouvement. Et se trouve que je suis spécialiste des rapports des blocs Est-Ouest à travers les mouvements de libération nationale. Donc, je suis spécialiste notamment des relations des blocs Est-Ouest à ce moment-là à travers les mouvements de libération nationale, c'est-à-dire tous les groupements qui luttaient pour l'indépendance à travers le monde. اون موقع هم روی بخش کار میکردم که کدوم کشورها کدوم سازمانها واسه آزادی کار میکنن تو همه کشورها نه فقط ایران. Et plus on m'expliquait que MKO était représentatif de la volonté du peuple iranien, et plus j'ai trouvé ça bizarre parce que ça correspondait à aucun des schémas connus. هی به من سعی میکردن توضیح بدن که مجاهدین با مثل ملت ایرانه ولی هرچی که فکر میکردم میدم که نه اصلا فرق میکنه ایدئولوژیاشون. Et dans les années 90, j'ai fait une série d'articles sur ce sujet. Que représente le MKO ? بعد از سال 1990 چند تا آرتیکل نوشتم رو موضوع مجاهدین چی هستش دقیقاً. Alors à ce moment-là, ils sont intervenus auprès de mon association professionnelle pour me faire retirer ma carte de journaliste. بعد دیدن که روشون بعدی می نوشتن سعی کردن کارت کارمو کارت خبرنگارمو ازم بگیرم. Évidemment, ils ont échoué. ولی نتونستن. Mais ça suffit pour déclencher ce que j'appellerais un réflexe quelque peu nerveux. ولی این دلیل شد که نشون داد که یه مخالفی بین ما بودش. Donc plus on m'a bloqué et plus j'ai essayé de creuser le sujet et d'en savoir plus. هرچی بیشتر اذیتم می‌کردم من سعی می‌کردم بیشتر بفهمم چرا. Jusqu'à publier certains, jusqu'à trois livres aujourd'hui sur le sujet. Aujourd'hui, c'est une question bien précise que j'aimerais développer. J'espère que tôt ou tard, le plus tôt possible, on arrivera à vider le camp d'Ashraf. Et là, je suis curieux de savoir si Rajavi se cache actuellement en Irak. Car pour moi, c'est une des questions principales aujourd'hui. Où est Massoud Rajavi ? Dans l'histoire de l'organisation, cette question a une importance, à mes yeux, cruciale. Parce qu'on s'est souvent posé la question, quand on analyse ce type de mouvement,
que va devenir le mouvement après la disparition du grand leader? و اینکه آدم همیشه میپرسه وقتی که رئیس مثلا این مجاهدین نیستش سازمان چی میشه بعدش؟ Or, le voilà disparu. حالا که نیستش الان. Mais d'une manière qui empêche toute prospective. Mais d'une manière qui empêche toute prospective, on ne peut pas se dire. La manière dont Rajavi a disparu aujourd'hui empêche de. Je dis bien la manière, empêche de comprendre quel va être le futur de l'organisation. Alors que Massoud Rajavi Rebejzadeh, Solemouaz Chejuji, Inhezbe Mojahedin, Mitune et Dormé de Chtevache. Parce qu'il y a actuellement un flou absolu. Ben, qui Alan. Un flou. A shadow. C'est un brouillard que les leaders du MKO aiment beaucoup. Parce qu'elle jette un voile sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font. این الان قرارگاهی که الان وجود داره واسه مجاهدین خوبه چون میتونن یواشکی کاراشونو بکنن. Et je trouve très important aujourd'hui de poser cette question, où est Massoud Rajavi? و الان هم سوالی که فکر میکنم جالبه آدم بدونه مسعود رجبی کجاست؟ Car quelqu'un a des comptes à rendre. برای اینکه یکی بسی بهمون بگه الان حزب pour toutes les souffrances, pour toutes vos souffrances. واسه همه زجرا که آدما دارن باید جواب بده مسعود رجبی. Et c'est une question pourquoi? Pourquoi tout ça s'est passé? Et seul Massoud Rajavi, à mon avis, peut répondre réellement. Quel rôle aujourd'hui joue Massoud Rajavi, présent ou absent? Alors Massoud Rajavi, che kara ast tu sazman? Car il faut faire attention à ne pas négliger les absents. Massoud Rajavi incarne le fondateur historique du MKO. Massoud Rajavi, ایشون سازمانو ساختش. Donc c'est lui le responsable. Il y a des choses en fait que je peux pas traduire, donc je vous laisse parler et je continuerai par la suite. Donc je dis c'est lui le responsable, c'est celui qui décide, celui qui tranche, celui qui peut invoquer un long combat révolutionnaire historique. اینه که میتونه انتخاب کنه ادامه سازمانو یا نه. Ce combat, Massoud Rajavi a toujours voulu le personnaliser. این جنگو همیشه خواسته بود خودش نشون بده که خودش این کارو ادامه میده. Ce qui correspond à une logique commune à tous les groupements de l'ultra gauche. و این نشون میده که همه گروه‌های چپ هم این کارو میکنن. Après avoir instauré la manipulation en une règle absolue, que prépare le MKO? الان آمادگی مجاهدین چیه؟ چی کار میخوان بکنن؟ Est-ce que Massoud Rajavi est mort? آیا مسعود رجبی مرده؟ Mais alors on devrait le déclarer martyr, le pleurer et lui rendre un hommage en vertu de ce culte auquel il a toujours aspiré. پس باید بگیم که شهید شده، باید مثلا واسش سرمونی کردش. Le MKO n'a jamais rien laissé au hasard. ولی مجاهدین هیچ کارو بی خودی نمیکنن. Et là, vous êtes bien placé pour le savoir. Par خودتونم میدونی. Alors, qu'est devenu Massoud? چی شدش Massoud? Depuis 2003, il semble s'être évaporé de la surface de la terre. از سال 2003 اصلا پیداش نیست. Un long silence depuis 7 ans s'est installé. هفت سالی که اصلا ازش خبری نیست. Un silence qui provoque beaucoup de bruit. Yes. Un silence qui provoque beaucoup de bruit. Yes, so ketie ke kheli seda mishe azash. Parce que c'est un silence qui interpelle. Chun yes, so ketie ke adam khod bedune kojas. S'il est vivant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas ressorti pour réclamer son leadership? Agar zinde ast chera khodesho moarefi nemikone ke dobare masalan sazman besaze. Qavitar. On sait qu'il aime l'argent, la gloire, le pouvoir, les femmes. Zana ro dost dare, qodrat ro dost dare. Ses proches n'en parlent plus. Nazdikash aslan azash harf nemizanan. Ils n'ont jamais émis la moindre protestation ou la moindre revendication. Aslan nakhosanam reis hezb beshan.
Personne ne le pleure,